Fiona? Fiona? Oh, t'as eu un chiot, toi? Moi, j'ai eu que du shampoing dans ma chambre. Oh, marraine la bonne fée, membre du mobilier, je voudrais vous présenter mon époux, Shrek. Votre époux? Quoi? Mais quand diable est-ce arrivé? C'est le preux chevalier qui m'a sauvée. Mais il doit y avoir une erreur. Oh, super! Encore de la famille? Elle ne cherche qu'à nous aider. Bien, qu'elle nous aide à faire nos valises. Prends ton manteau, chérie, on s'en va. Quoi? On part? J'ai pas envie de partir, moi. Mais quand as-tu décidé cela? Juste après notre arrivée. Pardon, je suis confuse. Allons, allons, il n'y a pas de quoi. J'y allais, de toute façon. Et surtout, rappelle-toi, si un jour tu as besoin de moi, le bonheur, c'est simple comme une larme. Merci, mais on a tout le bonheur qu'il faut à la maison. Bonheur, bonheur et re-bonheur. Ouais, je vois ça. Allez, en route, Kyle. Tu as fait du joli Shrek. Mais quoi? Je t'avais dit que c'était pas une bonne idée de venir ici. Tu aurais pu au moins faire un effort avec mon père. Tu sais, en fait, je me disais que même si j'en voulais de sa bénédiction, eh ben je l'aurais pas eu. Tu ne crois pas que ce serait gentil pour une fois qu'on me demande à moi ce que je désire? Désires-tu que je remballe ton petit linge? Tu es épouvantable quand tu t'y mets. Tu te comportes comme un... Allez, vas-y, dis-le. Comme un ogre. Bah tiens, je vais t'annoncer un scoop que tes parents me trouvent à leur goût ou non. Je suis un ogre. Et devine quoi, princesse? C'est pas demain la veille que ça va changer. Moi, j'ai bien changé par amour pour toi. Essaie de t'en souvenir. C'est plus fort que toi, hein. Il faut que tu dérapes. Je suis un ogre. Ah!